Nous sommes en compagnie de David Beckert pour évoquer Rennes Hélène qui doit rendre 50 mètres dans l'étape du GNT. La jument paraît par contre au mieux. Oui, la jument a bien couru chaque fois qu'elle était à Cagnes-sur-Mer. Donc là, il faut rendre 50 mètres, c'est un peu une tâche facile. Donc la jument, elle arrête d'être restée en forme. Elle a 3 semaines de récupération, est-ce que c'est le délai idéal pour elle ? Bah oui, non, 3 semaines, ça va bien lui convenir. Maintenant, je pense que ça va être envisagé plus pour une 4-5ème place, c'est déjà très bien. Pourtant, elle a déjà marché 13-6 sur le parcours fin juillet. Ouais, elle a marché 12-8, même avant le premier coup, je crois. Donc, non, c'est sûr que, bon, à 50 mètres, il faut que ça se passe bien. Faut pouvoir se faire ramener. Auquel cas, la jument peut prendre une place. Ouais. Et est-ce qu'elle devrait rester dans votre écurie à l'issue de cette tentative? Oui, la jument va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Hein. Malheureusement, c'est à la fin de l'année. Donc après, je sais pas, on va peut-être se diriger vers le Tour européen, c'est pas peut-être la Suisse mi-septembre, en Espagne à la fin du mois, je sais pas encore. En tout cas, on peut la voir comme une bonne place, une bonne placée dans cette épreuve. Oui, non, c'est sûr que c'est pas une première chance. Hein. Le fait qu'on ne soit que 2 ou 50 mètres, ça peut peut-être un avantage pour prendre un bon départ. Malgré que à chaque fois qu'elle est courue, c'est pas une grosse débouleuse. Bon, ça va peut-être être un avantage quand même. Sur les chevaux du premier et du second poteau, il y aurait plus nombreux. Il faudra juste pouvoir se faire ramener, si je vous comprends bien. Voilà. Exactement. Après, si tu manques bien les courses avec du rythme, tu manques à pas trop de vitesse, mais qu'à une tenue à toute épreuve. Donc, si une course rondement menée, elle peut venir ramasser quelques-uns pour finir.